voilà pour donc l'épisode 8 de notre petite aventure sur Prépocalypse. Alors la nuit de la Horde ne s'est pas trop mal déroulée, je dirais. On s'en est plutôt bien sorti, même si c'était pas gagné. C'était pas gagné. Je pense que j'ai jamais construit un truc aussi rapidement qui a fonctionné aussi bien. En même temps, on a beaucoup compté sur notre sledge, notre petit robot là. Puis du coup, j'ai fait ce petit mode pendant la nuit. Et deux trois autres trucs. Alors déjà, on va se débarrasser de tout ça dont on n'a plus besoin dans notre inventaire. Ça, on va le mettre là-dessus. Hop. On a un petit peu à manger, on a un petit peu à boire. Par contre, on n'a plus du tout de balles pour le pipe machine gun. Donc, il va falloir qu'on trouve des balles aujourd'hui. Et on va faire quelque chose d'abord, c'est qu'on va aller réparer un des scooters qu'on a trouvé. Et il y en avait un. Il y en avait un autre. Je me demande si c'était pas là. On va aller faire un petit tour vite fait. Faire un petit crochet. Aller voir à ce qu'on pointe. Il va falloir qu'on se refasse un stock de balles. Hein. Si même si on pouvait les faire nous-mêmes, ce serait bien. Je me suis toujours demandé si c'était une mine ou juste un bout de voiture, un enjoliveur en fait. Il y a une roue là-bas. Oh, des repair kits. Très bien. Finalement, on n'a jamais réparé le vélo. Et je pense que c'était pas ici. Oh, un autre mode. Non, c'était pas là. Hello, Thomas. Ah, je crois que le Repulsor mode va être pas mal du tout. Alors, on avait un autre endroit où il y avait un autre scooter. C'est peut-être un peu plus en ville. Tant pis, on va aller réparer celui-là. Je pense qu'il y en a peut-être un qui est plus proche. Voilà. On a réveillé quelqu'un. Mais on va pas y aller. On va aller où on sait qu'il y en a un. J'ai pas marqué l'autre volontairement parce que j'en avais déjà marqué un sur la map. Donc je me suis dit, je vois pas l'intérêt. De toute façon, on va pas. Tiens, il y a un serpent. On va pas en réparer deux. Qu'est-ce qu'on va faire de deux scooters en même temps? Allez. On va utiliser notre vélo pour peut-être une des dernières fois. Peut-être. J'avais très envie d'aller voir là aussi. Ça a l'air d'être plein de. Une espèce de camping-car. C'est bien le genre d'endroit où on peut trouver des. Des marmites en début de jeu aussi. Ah, il est mort? Non, il est pas mort. Les ailes sont blancs en fait. Hein. Je le vois, je le vois. Alors, du coup, il faut qu'on prenne le petit outil dans notre main. Et. D'accord, bah j'essaye de le réparer, mais. Ça marche pas. Ah, ça y est, ça a fonctionné! En fait, j'ai essayé avec le clic droit et c'est clic gauche. Et pouf. On va y mettre un petit peu d'essence. Enfin, un petit peu, on a juste tout mis.
Ah, c'est génial. Enfin, c'est génial et oui et non, parce qu'en fait, du coup, ça les envoie à genre 10 mètres de nous et on est obligé de leur courir après presque. Alors, voyons voir. Ah, 2 fois plus d'inventaire que le vélo. On va pouvoir aller plus vite. Ah, c'est génial. Alors. Bonjour madame. Bah, si c'était pour les soins, c'est raté. On a utilisé quand même pas mal de bois pour notre mini build pour la nuit de l'Horde. Donc, on n'en avait pas beaucoup non plus. Alors, il va falloir qu'on s'occupe de récupérer un petit peu des ressources. Ah bah c'est parti du coup. Alors on en fait du bruit hein, avec notre petit scooter. Hein. Là on va réveiller tout le monde. Alors certes on n'utilise pas de stamina. Mais est-ce que c'est vraiment le bon plan? Je ne suis pas très sûre. Hein. Ah! C'est le bon plan pour écraser des poules en tout cas. On va réveiller toute la ville avec ça. Donc arrivé. Et c'est exactement le Hurry Harry où on avait été. Donc c'est parfait. On va démonter tout ça. Ben, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus magique. Hein. Il y a plein de gens! Ah bah et puis dis-donc, il y en a un paquet, hein. Vous êtes tellement que je lag les copains. Oh là là! Vous êtes combien comme ça? Revenez par là. Ce petit mode sur le bâton là, c'était très très bien. Puis on s'est récupéré des petites balles. Nickel.
Là, c'est bon. Je crois qu'on peut commencer la quête. Eh oui, on a rodé Yuka. Super. Ça m'en donne toujours que deux, hein. Mais bon. Alors, c'est quoi cette fête? Ah, c'est une fetch. Ok, donc il faut qu'on récupère la caisse, hein. Faut pas que j'oublie. Messieurs, dames. Sortez donc. Ah bah. On n'aura pas été bien loin, hein, pour finir la quête. On pourrait carrément retourner chez le trader maintenant et... Allez, sors de la boutique. Elle est pas morte. Allez, dépêche-toi. Allez, fais vite, fais vite, fais vite. Voilà. Je me fais toujours avoir avec celui qui sort de là. Aïe! C'était même pas ton sac à main en plus, vilain. J'ai entendu un cochon ou je rêve? On se dépêche. En fait, le type de la dernière fois, il était peut-être juste là, juste derrière, il était pas dedans. Je croyais qu'il était dedans, mais... Par contre, je me souviens très bien qu'on avait un flic là-dedans la dernière fois. Et un punk. Regardons. Mais il sort d'où, en fait? Sortirez point. Ah, des meilleures chaussures. J'ai déjà lu celui-là aussi. C'est la petite note qui dit qui avec le zombie où il faut qu'on tue les zombies spéciaux. Enfin, ceux-là en particulier. Hein. Alors. Bah oui, le miel, c'est un antibiotique naturel, oui. Ah, on peut en avoir dans les arbres quand on lit ça. Trop bien. C'est ça qu'il nous aurait fallu depuis le début en fait. Enfin, on peut en trouver. On a une chance, on a un peu plus de chance d'en trouver. C'est pas dit qu'on va en trouver non plus. Vu comme on a eu de la chance. Voilà, on n'y voit plus rien. Ça y est. Ah. Bah, puis il n'y avait rien d'autre hein, là-dedans. Le jeu voulait qu'on saute par là, mais. On est déjà venu. Bon, partons, on a fini. Pourquoi il fait froid tout d'un coup? Il neige? Genre il neige. Mais non! D'abord, nous, on n'aime pas la neige. Voilà. Hein? Ah, l'autre truc, il n'a pas réapparu. C'est dommage. Ah, bah oui, on se pèle les miches là.
Comment on va faire? Ah, j'avais pas rêvé! J'avais entendu un bruit de cochon! Je savais qu'il y en avait un dans le coin. Je l'ai entendu. Il est là. Allez. Repartons donc chez le trader. Bon, c'est trop bien de pouvoir tout ranger, tout jeter là-dedans directement. On n'a rien à lui vendre, hein, au trader. Qu'est-ce que c'est que ça? Un châssis de voiture abîmé. D'accord. Bon. Est-ce qu'on peut vendre le vélo? Oh, oui, pour 500, dit-on. Cher un vélo, hein. On va pas le vendre. On va le garder, notre vélo. C'était notre vélo de survivaliste avec lequel on a... qu'on avait dans notre sac magique de Mary Poppins, donc... J'ai froid. Allez, on ferme la porte. Mais arrête de mentir! C'est même pas vrai! Ah, de la lumière pour notre casque! Ah. Mais il y a des balles! On en a besoin! Et il y a des magazines! Et il y a du bois! On va pas tout avoir! Ah, je pense qu'on va, on va prendre ça parce que ça devient vraiment galère. On voit rien. Allez. The Estate Residence. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que t'attends au juste en fait? Parce que j'ai pas tout compris. Hein. T'attends qu'on revienne, mais on n'est pas encore parti. Donne-nous une seconde, hein, s'il te plaît. On n'a pas beaucoup d'argent. On regarde quand même ce qu'il y a. Ce qu'il a en boutique. Je pourrais mettre des mods dessus pour que ça vaille plus, pour que ça vaille plus cher. Donc je pense qu'on va, on va les garder pour l'instant. Pour l'instant. Donc tu m'achètes de l'argent plus cher que sa valeur. Pas de problème. Je suis d'accord. Bah oui, bah je m'en vais. En plus le soleil est revenu, c'est parfait. Idéalement j'aimerais bien acheter les 4 hein, de celle-là, mais bon. Allez. On va rester raisonnable. Qu'est-ce que j'ai fait de notre scooter déjà? Que je l'ai mis par là et je peux toujours pas passer là, ça va m'enquiquiner ça, hein. Va falloir que je répare cette voiture et que je la bouge. Je me demande si on peut en fait, hein. J'en ai absolument aucune idée. Ah, puis bah, notre inventaire est plein. Ah, on va quand même faire la quête. Allez, on est parti. Ah bah c'est la maison où on est passé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Bon. Tiens, une marmite. Et on a de la lumière maintenant. Ah, ça fait du bien. On aura juste passé quasiment 8 jours sans lumière. Enfin, sur notre casque. Ça, c'est un truc que je trouve génial aussi. Le fait que les frigos, maintenant... arrête de faire du bruit une fois qu'on a pris ce qu'il y a dedans. Qui va là? Madame. Oh. Elle était perdue la dame, je crois. Elle a perdu la tête aussi. On va prendre ce... à couper ça aussi. On va avoir une petite graine pour faire de la farine. Même si on est plus trop, c'est même si c'est plus trop la galère pour manger et boire, ce serait bien que ça le devienne pas.
Alors, j'ai vu. Steven, il faisait une petite sieste. Elle avait encore jumeau. Ah bah dis donc, ça en fait hein, des conserves cachées dans un sac à main. Touriste, non, toujours pas. Allez. Là là. Y a rien ici, y a rien d'autre. Moi, je vois un sac là-bas. Je le veux. Genre, le jeu, il me montre un sac comme ça et il faudrait pas que je le prenne. Allez. Encore des chaussures, mais on a les mêmes. On porte exactement les mêmes là. On a. Non. En fait. Est-ce que j'ai mis les autres? Oui, j'ai mis les autres. Est-ce qu'on peut les réparer? Oui. Ce serait bien si on trouve une autre armure. 5 minutes later. Ah, tu veux vraiment que je me retrouve coincée, hein? Comment te dire que non? Ça suffit. Il est passé où le bouquin? J'ai pas vu un livre dans le truc. Bon. Persuadée qu'il y avait un livre, mais bon, c'est peut-être moi. Je vois des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Steel Pond Marlin. Ah bon? Bon bah. On va lire hein, de toute façon. Je la mange. Bon, allez, c'est parti. On mange une patate crue. Techniquement, manger une patate crue comme ça nous rendrait malade. On a encore un truc à récupérer. Mais comment je fais, moi? Oh là là! Notre inventaire est juste plein. On va perdre 25% si je scrape ça, mais tant pis, hein. Alors, du coup, il faut qu'on tue tous les zombies qu'il y a là-dedans. Je m'attends à de mauvaises surprises de ce type. Mais madame, aux yeux jaunes. Au moins, on a un jardin pour où il y a de la place. Donc, on va pouvoir. Eh bah, ça en fait des marmites. Hein. Ça en fait de la marmite. Et mon petit chat qui est juste venu s'asseoir sur moi, là, maintenant, comme si c'était le moment. Je sais pas trop ce qu'il veut. J'ai l'impression que le loot est beaucoup beaucoup mieux aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plus de choses. Ici qu'on a là, qui dort. C'est le zombie qu'on appelle Scott. C'est nous qui l'appelons Scott. Hein. Je crois qu'il a pas de nom celui-là. Oh là là! Non, non, non!
Alors là, on va être mal. Petit robot là, c'est quand même magnifique hein, ce truc. J'adore ce truc. Ce truc est génial. Allez, du coup, on continue. Dis, on casse les petites peintures là. Pas de petites peintures. Puis on vole les chaises et les plantes. Surtout pas oublier les plantes, hein. La clé gratuite, l'argile gratuite. Ouais, vous êtes combien là-dedans? On est toujours en vie, hein. Bon, du coup, s'il y avait tous ces types. Ah, bah c'était là qu'ils étaient, les petits magazines. Les petites revues. Ah, on peut faire le pumpkin, la tarte à la citrouille. J'ai pas pris les rideaux non plus tout à l'heure. Pas pensé, hein. Puis il est déjà 14h30. Faut qu'on se dépêche, hein. Du coup. Ah, bah c'est que t'es pas tout seul là-dedans. Oh là. On se calme. Ouais, alors le loot a l'air d'être un peu mieux. Je sais pas si c'est moi, si je me fais une idée ou quoi. Du coup, il n'y avait pas d'oiseau. Donc, on prend la petite torche. Donc là-dedans, il y avait un demi-zombie qui dormait tout à l'heure. Ah, on a un militaire. Retourne donc à l'intérieur. Il est toujours pas mort. Hein. C'est génial. Du coup, voilà, dès que je vais mettre un pied là-dedans, ça va être la cata. Si on n'a pas beaucoup, beaucoup de balles, on va faire ça. Oh là là, on a encore un. Oh là là, mais non. Oh là là. Oh là là, il pique, hein. Oh là là. Vite, oui, cours vite, et cours vite. Oh non, tu es mort.
Il est toujours pas mort. Si? Non, il est pas mort. C'est fou, hein, il y en a qui font bien semblant quand même. Ça y est, il est mort ce coup-ci. Et du coup, on a tous ceux qui sont restés au-dessus et qui sont en train d'essayer de tout casser pour arriver ici. C'est pas la peine de tout casser comme ça, hein. J'arrive, j'arrive. C'est juste que je me requinque un peu. Voilà, bonjour monsieur. Ah ça y est, on a fini la quête. Bon, on s'est quand même pris une grosse patate dans la tronche. Mais grâce à notre petit robot, on s'en est plutôt bien sorti. Oh là là, c'est pourri ça. Ça, c'est déjà un peu mieux. Donc ça, c'est la fameuse... fameuse petite truc d'infestation. Donc il y a toujours une cache verte comme ça. Quand on fait des missions infestation. Pompe shotgun. Oh non, des bikers avec des shotguns. Mais vraiment. Oh là là. Mais non, ramasse-le. Bon ben on va la lire, hein, ce que vous voulez. Alors déjà qu'en général, je suis pas trop adepte des bikers qui sont super forts. Mais si en plus ils ont des shotguns. Robotique. Ah bah si, ça on en a grave besoin. Alors, ça c'est une petite technique. On commence à scraper un truc. Et si notre inventaire il est plein, ben peut-être que ça va pas être possible de mettre dedans. Voilà. Bon, puis on s'en va. Hein. Non, on a resté bien assez longtemps pour retourner chez le trader. Petite boîte aux lettres avant de partir. Toujours des magnifiques petites revues pour nous. Jamais celles dont on a besoin, mais... Et du coup, le trader. Alors, entre les arbres, les poubelles, les voitures, je fasse attention à pas le casser. Je crois que notre vélo, il est à un truc du style 30%. Je l'ai jamais réparé. Je crois que je l'ai pas réparé une seule fois. Ranger, hein, c'est le bazar devant chez toi, Hugues. Speak quickly. Quoi? Surprise, surprise. I suppose you want something in return now. Bah bien sûr que je veux quelque chose en retour. Allez, je prends ça. You need work? Ah, c'est dans la ville de Bob, ça. Allez, c'est parti. We're burning daylight. C'est un peu loin. Mais c'est pas grave, on a un scout maintenant. Est-ce qu'on pourrait lui vendre d'autres? On a besoin de sous. Hein. Est-ce qu'on a des trucs qu'on veut acheter? Combien? Si je prends tout. 1400. C'est cher hein, quand même. Dis donc. T'as pas une petite machette pour moi? Ce serait bien ça. Petite machette. Those damn things are selling like hotcakes. Allez, on est parti. Tiens. Ah bah, j'avais pas vu ça. Je prends. Merci. J'ai tout pris et le reste. Il y a des trucs, on a trop envie de les loot, mais on peut pas. Voilà. Ouais, ce coup-ci, on n'a pas le choix pour vraiment qu'on. Fasse un petit arrêt à la maison. Enfin.
Allez, on va tout jeter là-dedans. J'hésite à aller commencer la quête chez Bob parce que c'est quand même un peu loin. Hein. Je pense qu'on va rester ici et on va essayer de voir ce qu'il y a dans les environs. Et puis peut-être faire aussi un peu des quêtes de prépeur parce que ben au final on n'en a pas fait beaucoup pour l'instant. On va garder le vélo pour l'instant aussi dans notre inventaire, ça peut toujours, toujours nous être utile. Je sais, ça prend un slot en plus. Mais si on en a besoin et qu'on l'a pas, on sera embêté. Donc c'est mieux si on le garde. Manger, on est bon. Oh, je lui ai pas vendu ça, tant pis. La quête, c'est un petit peu trop loin. On va s'occuper de. Je sais pas. Je me dis qu'on est peut-être pas si mal que ça ici, vu qu'on a un grand espace là pour construire si on veut. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans cette baraque aussi. On va faire ça. Alors. Ah, il y a des trucs que je voulais qu'on fasse aussi, c'était la ruche. La ruche et le truc pour les. Et le poulailler. Bon, bah on va voir. Crois qu'il va nous falloir beaucoup de scotch. Comme d'habitude. Quand tu fais ta moto avec beaucoup de scotch. Je fais tout avec du scotch en fait. Chicken stew. Alors, chicken coop. Au niveau de la pierre aussi. Ouais, 5 scotch et du fer. Ah bah on a tout juste 15. Je crois qu'il nous en fallait 15. Hein. Du coup. Un zombie qui est caché derrière quelque part. Pas grand chose, hein. C'est pour ça qu'il n'y a personne pour garder, hein. Y a rien ici. Bonjour tout le monde. Olin! Ah bah, deux pour une. Ah bah non, elle était pas morte, elle m'a dit. Pourquoi ces zombies qui font semblant de mourir là tout le temps? Ah bah, de la nourriture pour chien au frigo. Je suppose qu'ils avaient rien de plus, hein. Ils avaient rien d'autre. Et encore une marmite. On a trouvé notre marmite jour 1. En cherchant, avec notre jambe cassée. Ah, de la nourriture pour chat. Eh ben, dis donc. Un petit peu de J'ai déjà lu. Ah! Ah bah y a rien. Déception ultime. Il y en a un qui dort hein, quelque part quand même. Là monsieur. Je viens d'ouvrir la porte. Je le connais ce POJ. Pas très très compliqué. Quelqu'un dans le placard.
la porte, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte. T'énerve pas, t'énerve pas. Encore des lunettes, mais on a les mêmes. Et là, la porte, elle est fermée. Ah! Une doctoresse. Bonjour, madame. Elle avait la main qui pendouillait un peu bizarrement. Hein. Oui, c'est pourquoi. J'aimerais bien qu'on puisse se fabriquer un autre petit bâton, là, mais on n'est pas, on n'a pas ce qu'il faut pour l'instant, on n'est pas. Ah. Et ça va là-haut. On est déjà 21h10. Ce serait bien qu'on se dépêche un peu. Comment ça, je peux pas monter là? Mais pourquoi? Ah, normalement, il y en a au moins deux. Ou trois. Reste dedans. Oh, il souffre. Non, non, non. Ah, c'est pourri, ça. Il y a des zombies qui arrivent. Mais d'où ils sortent? Messieurs, dames. Bah ça y est, on a tout pris, hein. Et il n'y a encore pas de bouton pour ouvrir la porte. Donc. Allez, on va aller faire un petit coup de rangement. Et puis... poser notre ruche. Allez, on fait une autre ruche. Et est-ce qu'on va pouvoir faire une autre, un autre poulailler? Est-ce qu'on va voir ce qu'il faut? Je les mettrais bien ici, mais... on est encore sur cette histoire de demi-bloc bizarre. Du coup... celle-là ressemble à un petit château. Petite maison. Ah, j'aime bien celle-là. Et du coup, est-ce qu'on peut mettre une ruche à côté ? C'est où le devant du derrière de ce truc? Enfin, techniquement, c'est plutôt par au-dessus hein, que ça se passe, mais... bon. Ça, c'est fait. On va aller chercher, du coup, des poussins qu'on n'a pas mangés. Et une abeille. Ah, on est passé à une autre quête, j'avais même pas remarqué.
Plant fiber. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Genre, j'ai déjà tout ça, moi. Quoi faire? Voilà, j'ai tout ça. Ah, tu veux que je fasse une spire? Mais... Ah. Bon, d'accord. Vraiment parce que tu me le demandes, hein. Ah! Trop bien, j'ai eu un truc de maintenance. 50% de dégradation en moins. Et en plus, j'ai la recette de ce truc. Bon, bah, désolé, mais... Je n'ai pas besoin de ça. Ah, quoique... On va faire ça. Et puis ça. Allez, du coup, on va aller... Ah, c'est trop mignon. Ça ne fait pas de bruit. Tant mieux. Elle est vraiment très grosse, hein, cette abeille. Donc, je clique avec un clic droit. Et ça y est, c'est parti. Et les petits poussins. Ah, c'est trop mignon. On dirait qu'on les a attaqués. Ah, ils sont en train de grandir. Ah, c'est trop chou. J'espère qu'ils vont pas m'attirer de zombies. Parce que... Bah, du coup... Du coup, ils sont un peu... un peu à la merci. Mais bon. Moi, j'espère que rien va leur arriver. Allez. On va s'arrêter là. Il est déjà minuit en jeu. Et puis, bah... Je sais pas trop ce... Oh là, j'entends une hurleuse. Je l'ai entendue. Bon, on va s'arrêter là. Et puis, bah... Je reviendrai pour l'épisode 9, je crois. Du coup... Aux alentours de 4 heures ou 6 heures en jeu. Merci d'avoir regardé. À bientôt.